Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Satisfactory encore et encore et toujours. Pour aujourd'hui, on va, comme je l'ai dit, il n'y a pas plus de une demi-heure, 40 minutes sur Twitch. On va lancer tout simplement quelque chose que je n'ai jamais lancé. C'est con à dire, mais 1000 heures de jeu, j'ai toujours pas lancé. Ils sont où? Ils sont là, je crois. Ah, faut faire échappe. Donc là, il y a ce qu'on a besoin, du coup, qui va nous aider. Peut-être que je prenne d'ailleurs. Voilà. Je n'ai jamais fait de cadre modulaire fusionné sur Satis. Ni de système de. Ah non, c'était pas des turbos. J'ai dit turbomoteur, je me trompais. C'est des systèmes de refroidissement. Et du coup, par la même occasion. Des dissipateurs, parce qu'il nous va nous en falloir pour ça, donc tout est calculé en fait, c'est pour ça qu'il y en a 8, parce qu'il va nous en falloir pour les turbomoteurs. J'ai regardé avant sur l'internet, et du coup, walou. Et quand on aura fait ça, on ira à notre usine de batterie, parce que pour ça, il nous faut de l'azote, mais bien entendu, tout est prêt. Avec lui. Hop, allez, direction la base azote. Non. Alors là, du coup, ça va être le bazar. Donc on va pas lisser en manuel. Ah oh bah attends, vu qu'il va revenir là. Là, on va le mettre en null load. Tu reviens, hein? Ah ouais, mais merde. Je croyais que c'était un monorail. Oh, j'étais pas serein. Bon, je crois qu'on va y aller sans train. Parce que je crois qu'il m'a abandonné en fait. Je crois qu'il m'a abandonné. J'étais abandonné par mon train. Ah, j'ai pas de cadre modulaire. Chier. Méchant. Donc du coup j'ai mis ce système de rail, alors et mon système de rail c'est vraiment n'importe quoi, parce que regardez, si vous vous rappelez, là celui-là, là on roule à gauche, d'accord? Et là ici on roule à droite. Ce que je préfère tout simplement par rapport, c'est juste par rapport aux signaux en fait. Hein. C'est pareil quand on va à l'usine de batterie, on roule aussi à droite quoi. Donc pour ce qui est design, je pense que il se passera rien à ce niveau-là. Et qu'on fera des trucs un peu plus. Un peu plus joli à la version 1. Parce que du coup, il va falloir qu'on recommence une partie. Et ça, c'est chiant. Enfin, après, sinon aussi, il va falloir prendre du temps pour remettre des usines comme il faut, machin. Enfin, il y a des choses qu'on aura besoin, d'autres qu'on n'aura plus besoin. Donc quand je vous dis tout est prêt, hein, vous avez vu, hein, petit virage et tout, bien sympathique, bien beau, bien machin, bien tout ce que vous voulez. Là j'ai fait sauter 2-3 machins ici là, sinon ils étaient au milieu du passage, c'était chiant. Et voilà, alors du coup ceux-là, oui parce que ça c'est pour la sortie, ceux-là là ils sont pour la déco. Hein. Nous on va s'occuper que de ceux-là en fait, que ça va rentrer dans ceux-là. Et alors normalement, hop, voilà. Du coup j'ai fait... Ah, j'ai eu peur. J'ai pas fini ce pilier? Ah merde, j'ai pas fini ce pilier. Bon. Bah, du coup, on a un pilier comme ça. Oh le con. Attendez, est-ce que du coup. Est-ce que ça peut être. Oh bah non. Je veux dire, ça peut être chiant, mais non, c'est bon. Hop. Brave. Non, je suis pas en zoop, parce que je viens de relancer la partie. Alors, on sait que ça sera comme ça. Voilà. Donc, un pilier. J'ai fait descendre les tuyaux déjà. Mais je me rappelle pas si. Parce que, voilà. J'avais extrait le. L'azote. Sur une partie où on avait joué avec. Avec Mr. Gazier. Mais j'avais pas. Mais je m'en étais pas servi. Et je me rappelle pas. Il me semble qu'il fallait pas de pompe. Hein. Donc il va nous falloir un pressuriseur.
Est-ce qu'il a un sens? Ouais, parce que l'électricité est là. Et là, et moi, elle arrive ici. Combien ça consomme, cette bête là? Ah, ben moi qui avais fait des calculs, ah ouais, d'accord. J'avais calculé la totalité, du coup 780 par minute. Ah, mais je peux le boost? Je peux le boost? Je ne savais pas. Est-ce que du coup je le booste? Parce que du coup, je sors que ces deux tuyaux-là pour l'instant, à 300. Je pense qu'avec 300, j'en ai assez. Non, je me sors deux de 300 que je mets à 600 du coup. C'est complexe là du coup ma connerie là. Je vais le booster à fond, on s'en fout. Combien ça consomme d'électricité? 150 watts. Si je le mets à bloc, 500 watts. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire hop. Et au pire, je ferai 600 par la suite. Je ferai 2 de 600. Ça c'est, je sais plus, ça c'est un pur. Pur, il y a un normal dans le lot, je sais plus lequel c'est. Parce qu'après du coup, si je fais 600. Donc là je prends ces deux, ça fait 600. Je prends ces deux, ça fait 600. J'en prends deux, ça fait encore 600. Ouais, je pourrais avoir 3 gares. Est-ce que ça monte? Ok, donc c'est bien ça, c'est bien un gaz. Donc on n'est pas ennuyé là-dessus, ça y va à bloc. On n'a pas besoin de pompe. Et bon, écoutez, on va attendre le train. Qui devrait du coup lancer les premières. Ça va lancer les usines. Est-ce qu'il faut qu'on aille à la tour de contrôle? J'ai mis qu'un rail du coup. Ok. Qu'un. Ouais, j'ai pas de cadre modulaire donc ok. Bravo. Du coup. Hop. Ah, j'ai pas accès à mon inventaire en étant dans le train. Chiant. Le wagon arrive orange. On me dit pas qu'il ressort blanc après. Ah non, d'accord, il est blanc et. Ah oui, blanc et orange mes couleurs de train. J'aime bien ces couleurs là. Donc j'ai envie d'un gros système ferroviaire pour la V1. Je sais pas, je suis. Je sais pas, je dois être fan des trains. Dans une vie antérieure, je vais être cheminot, je sais pas. Donc le gaz, l'azote, qui va arriver. Ouais, on dirait un ovni le. L'ascenseur. Et du coup, parce que je crois qu'il nous faudra 50 cadres modulaires fusionnés là. Plus. Je sais plus quoi. Nous, on va sauter ici. On va laisser faire son tour. Parce que il nous faudra les cadres modulaires. Il va nous en falloir pour la phase 4. Je crois que c'est tout ce qui me manquait pour la phase 4. Ramener de l'azote.
Mais je crois qu'ici... ça. Voilà. Il nous manque les cadres pour avoir les foreuses MK3. Qui du coup vont nous permettre de booster les foreuses qu'on a du coup pour le MK4. Pour le... Là, on va avoir les trucs propulseurs. Et du coup les turbomoteurs qu'on pourra lancer par la suite. On aura tout ce qu'il nous faut. Et puis après du coup il nous faudra les turbomoteurs. Et ça. Et puis de ça. Ça je pense pas que ça soit compliqué. Ah, il nous faut des stators. Ah, peut-être un manque de stator. Mais ça, j'ai bien envie de faire une usine à part. Quand même, pour ça. Tout ce qui est nucléaire, quoi. Du coup, il va nous en falloir 50. Du coup, on monte là-haut. On monte là-haut. Oh oui, normalement il y a un tube, mais... Quand t'as le jetpack, t'as plus de tube. Et j'avais préparé... Ici même. Du coup, on a le... J'ai branché, hein. Nos consommations actuelles. Donc normalement, on est bon. De ce que je m'en rappelle. Bon, là, on n'en consomme pas, donc ça va aller, ça va en consommer un peu. Ah oui, non, on va consommer de ça. Pour faire des dissipateurs. Donc on active les dissipateurs, on active ça et on active ça. Regardez, ça reflète dans la vitre et tout, c'est trop beau. Et là, ça va se lancer. Du coup, on s'y rend. Allez, on va s'y rendre par là. Instant vomi. Local technique, étage 2. Lumière. L'étage 2, il est vraiment pas ménagé. L'étage 1, je crois que j'avais fini, mais lumière et tout, hein, je vous avais montré, il me semble. Qu'on vérifie que tout soit en route. Ça, c'est rien, ça. Ça, c'est un vieux truc. Hein. Ouais, ça, c'est une unité de contrôle. Ah. T'as un problème, toi? Trente-sept et demi. Cent douze. Oh, ça traîne. Pourquoi ça se remplit pas? Pourquoi tu prends pas de tôle de cuivre toi? Donc là ça arrive à MK5 mais en haut après c'est régulier à MK1 donc ça gêne pas. C'est bon, c'est lancé. Du coup, les premiers dissipateurs ont dû sortir. Voilà, sont là. Donc, les premiers bah, vont venir blinder la machine. On en produit du coup 7, 15. Et nous en faut. On n'a pas d'azote. Nous en faut 20. Oui, mais j'en produis 15, 15, 21 et demi. J'ai pas d'azote. J'ai pas raccordé l'azote. J'ai pas raccordé l'azote. J'ai pas raccordé l'azote. On est bien là? Je crois que j'ai pas besoin d'azote après pour autre chose, pour l'instant. On est bien là, pas du tout.
Alors, l'azote étant un gaz, on n'a pas besoin de pompe. Ça, c'est bien, ça. T'es par où je monte? Il y a trop partout. Un vrai gruyère, c'te... Hors tension. Hors tension. Fiche mongole. Qu'on l'a déjà sorti. Il sort, il sort, il sort, il sort, vite, 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 vite. Il est où, 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 il est. Mais il est où? Donc ça c'est les refroidisseurs. Bon là ils ont stocké à la sortie. Ah mais attends, j'ai pas mis surplus. Je crois que j'aurais fait pareil ici. Les voilà. Les premiers cadres modulaires fusionnés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser se blinder ça. Moi j'avais fait un étage. Mince. J'avais fait un étage trop bas. Ici. Du coup, faut que je me refasse tout mon truc. Et on va aller brancher. Vous allez voir, j'ai tout. Ah! Dis-moi que je peux le péter. Yes. Et j'ai quand même vraiment, mais alors vraiment hâte. Attends, on va aller voir ici. Si on a un cadre qui est arrivé dans le coin, on sait qu'ils vont se mettre. Je les aurais bien vus ici quand même. Mes dissipateurs ne sont même pas arrivés encore. C'est tellement le porte du combattant, on peut arriver jusqu'à là ou quoi? Bon. Vu que c'est à la suite de ça, je me disais que ça serait arrivé là. Il y a ça. On va à la batterie. Parce qu'après c'est pareil du coup quand j'aurai avoir les premières batteries, il va falloir que je fasse un... Je pense que je vais faire une gare exprès de... j'ai pas montré là? Si. Je vais faire une gare exprès de dispatch pour les batteries. Elles arriveront par train, mais elles repartiront par drone sur différents pôles qu'on aura besoin, notamment l'alu. Il va falloir qu'on transfère des. On va aller là. Des boîtes en alu, justement, pas la batterie, mais à.
à la... Ah, je l'ai plus, hein. À l'usine d'armement. Pour pouvoir faire des capsules de d'iode pour le masque et pouvoir attaquer tout simplement le nucléaire. Je pouvais arriver à attaquer le nucléaire rapidement. Pour une première, ça serait bien. Parce que je pense que ça va nous demander un peu d'électricité, la phase 4. Qui n'est plus affichée, hein, mais elle est toujours active. Hein. C'est moi qui l'ai désactivée. J'aime pas avoir trop d'informations sur les écrans, c'est chiant. Parce que l'ascenseur orbital est toujours en place. Hein. Enfin, si lui je le supprime, c'est chiant. Hein. J'ai plein d'idées pour la V1 au niveau de mes trains et tout. Qui j'espère peuvent être réalisables, mais. Ouais, des choses que je ne peux pas faire. Parce que les rails sont. Sont raccordés électriquement en fait entre eux. Donc vous avez deux rails qui sont machinés, donc moi je voulais désactiver une gare et que du coup bah, le train s'arrêterait dessus et ne fonctionnerait plus. Mais on peut pas. On ne peut pas. Ensuite, on a déjà quand même un petit réseau sympa. J'ai un petit sympa réseau, mais non. Petit réseau sympa, c'est mieux dans ce sens. Le train est pour moi. Il fait un bruit dans mon casque. Bon, vous imaginez même pas. Vous, ça va, vous. Mais moi, ça va pas. On arrive. Et voilà, et du coup, hop, on roule à droite. Voilà. Ah, j'ai un fil électrique. Ah, le fil électrique qui passe à travers là. À modifier. Oh, on a du champil. Mycélium. D'ailleurs, c'est ici que la zone va changer là, au niveau du quartz. Il va se situer plus par là, je crois, de mémoire, je sais plus. On a du. L'uranium. On va le laisser arriver en gare. Donc du coup, toujours aussi grisonnant ici. Pas sur une save. Non, c'est bon. On a eu un petit bug. Non, c'est pas ça que je veux, c'est la lumière. Faut qu'on sorte de là. Est-ce que j'ai mon jetpack? Hop. Hein? Ah, j'ai plus de carburant. Il est où mon carburant? Ah. Ah merde, il livrait aux deux lui? Il livrait là? Ah merde, il livrait là? Ah bah tant pis, il va attendre 2 minutes. J'en ai assez pour l'instant. Du coup, je disais que à la base je voulais faire une grosse batterie. Mais est-ce qu'on peut arriver à prendre un peu plus de hauteur? Yes. On peut détruire ces machins? Ah. Ça nous s'enquiquiner là. Voilà du coup ce que j'ai fait. On va faire le tour après en détail. Et on va voir comment ça rend la nuit aussi. Non, c'est pas ça. Ça, vous voyez ici, j'ai pas fini du coup. Je vais attendre vos avis. Et là, c'est parti.
Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre la nuit. On va bloquer le temps et se mettre à la nuit. La nuit-nuit? Pas la nuit-nuit? Voilà. Que du coup, j'ai posé des luminaires. Alors ça éclaire. Mais c'est quand même pas folichon. Alors c'est peut-être parce que j'ai mis des fondations devant. Parce que l'intensité, bah si l'intensité est à fond. Bah c'est que c'est haut après, hein. Bah je verrai ce que je fais du coup. Alors du coup, ici on fait de l'acide, tout fonctionne. Ici, on fait... Il manque de l'eau. Elle devrait arriver. J'espère. On va remettre la journée. Ouais, les pompes sont à bloc. Donc à mon avis, on n'a pas assez de pompes. La synchronisation des montres. Une pompe où il n'y a rien. Mais il y a des murs partout ici. T'es plein, toi t'es plein, toi t'es plein. Donc hein, le soufre, la flotte, la bauxite. La sauvegarde. Ah mais la phase 4 qui s'est allumée. Ah oui, parce qu'on était dans le train. Ah, je croyais que c'est parce que j'avais désactivé. On n'arrive pas là. L'eau n'arrive pas là. On n'arrive pas là. Ah, elle arrive là. Tout a une explication. Tout s'explique. Voilà, c'est parti. Ici, c'est pareil, j'ai mis de la lumière. Je voulais voir ce que ça allait donner avant d'en mettre d'autres. Mais je pense que du coup, je remettrai un peu plus. J'aimerais bien aller de l'autre côté. Voir que tout fonctionne. Toi, tu manques d'eau, mais ça arrive, je pense. C'est la celle qui est en vie, qui est en vrac. Voilà. Du coup, l'eau est évacuée.
plus si j'ai fait le système pour l'eau. Voilà. Faut être évacuée ici. Et elle est programmée pour s'auto-flush, hein, simplement. J'avais pas envie de m'embêter. Parce que sinon, vu que j'ai du charbon, j'aurais pu lancer avec le recyclage quelques centrales à charbon. On aurait eu un peu d'électricité en plus. Ici. Du coup, c'est parti. Ici, on n'a pas de rebut. Pourquoi on n'a pas de rebut ici? Voilà. Le rebut arrive. Les tôles arrivent. Elles ressortent ici. Ici, on a la solution d'alumine. Ici, on a du soufre. Est-ce qu'on a nos premières batteries qui arrivent? Et puis, elles vont arriver tellement vite. On va même pas les voir passer. Je rappelle qu'on est sur du 100 minutes. On n'a pas de solution d'alumine. Ça arrive. C'est le temps que ça se remplisse. Le temps que tout se remplisse, nos premières batteries vont arriver. Donc on va laisser se remplir tout ça, déjà dans un premier temps. Voilà. Tout tourne. On en manque un peu. Okay. C'est normal, c'est le temps que ça là se remplisse. C'est compliqué de faire une répartition équitable si en mettant des valves après au pire, mais c'est un peu chiant. Est-ce que j'en ai assez d'ailleurs? 4 x 5, 20, 200. Si, 200, mais c'est ce que je produis. Hein. Donc ça devrait être bon. Bon, ici on va avoir des boîtiers. Ici on a le rebut, bah écoutez, tout fonctionne, là c'est parce que ça doit être plein. Voilà, donc c'est bon. C'est parfait. On referme ici. On referme ici. Et on va laisser le charbon. Faire son affaire. Nous, on va voir à nos cadres s'ils arrivent. Non, je vais monter dedans. Et on se tire à la base. Gare, maison. Je crois que c'est ça. Hein. On est parti. On te laisse la place. À toi de jouer. Du coup, faut que j'aille à batterie 1. Je crois que c'était batterie. Moi, le rendu est pas dégueulasse. Hein. De loin. Ça va. Du coup, les pompes à eau qui sont dessous. J'ai pas changé de couleur d'ailleurs. Ouais, ça va, le bâtiment rend bien. Ah, on a les feux qui déconnent. Ça c'est mon train. C'est mon mien, moi, il est tout rouge. Il fait le grand... Ah oui. Il fait le grand tour, il va passer par là. Ça va descendre, arriver au rond-point, oui. Ok. Ok.
Il y a trop de signal là. Inutile. Un sur deux aurait largement suffi, quoi. Mais bon. J'ai tenté une expérience avec le monorail. Je préfère l'avoir en duel. Hop là, nous voilà arrivés. Moi, je vais descendre ici. Voir si on a des éléments qui sont arrivés. Non. Sinon, ça veut dire qu'ils sont coincés par là. Ah, si, ils sont là. Ils arrivent ici. Alors, est-ce que par hasard, on aurait les... On a que 30. Oh, je suis déçu. On va les faire fermer la boule au train parce qu'il va faire que klaxonner. Hop. On a que 30. Je vais l'activer le jalon. Voir ce qu'il nous faut exactement, qu'on récupère. Comme un sacré complexe ici, hein. Sacré bordel surtout. Ah, il faut que j'avance un peu. Non, je vais paralyser tout le réseau. Ah, là-dedans. Oh, bon, allez, c'est pas grave. Allez, on va se mettre 1000 comme ça. Donc, on va déjà décharger cela. Ça fera ça. Ça. Voilà, comme ça, je peux prendre le reste. Je suis un peu plein le derrière là. On va peut-être me libérer d'ailleurs de ça. On va garder un stack. Du béton. En veux-tu? En voilà. Et on va chercher ça. Je veux débloquer ces forêts MK3 que je n'ai jamais, jamais, jamais auparavant posées. Oh, je pense même qu'on va se faire le plaisir de s'en poser une. Bon, ça après dans le... Je pense qu'on en fera quand même une série sur YouTube à la V1. Mais voilà, genre les cadres modulaires, ils seront tous à côté les uns des autres. Enfin, j'organiserai un peu mieux le stockage, quoi. Là, c'est vrai que je savais pas comment j'allais le faire déjà à la base, alors. 34. On va attendre qu'il y ait le compte. Ça, on en a pas besoin, on a déjà pas mal. Il nous faut. Qu'est-ce qu'il nous faut? Ah, c'est de l'autre côté. De l'autre côté et en bas. Ici. Donc là, il nous en manque 2, 4, 6, 8, 10. Comme ça, on aura du rat pour nous. Et des super calculateurs. En haut. Ici. Et on va en prendre un, deux. Ça, j'en ai encore une cinquantaine sur moi. Et on va attendre patiemment les cadres modulaires. Toujours 35. 36. Et ça va vite. Et voilà, le 50e est arrivé. Zoro est arrivé. Ah, c'est con, c'est que oui, du coup, il va brouiller. Bon. Vous voyez, du coup, il n'y a plus rien dedans, l'écran redevient blanc. Mais quand il y en a un qui va revenir dedans, l'écran va revenir. J'aurais pas de quoi faire une foreuse, mais tant pis. On verra ce que ça va nous coûter une foreuse et on attendra au pire un petit peu. J'aurais bien voulu en poser une. Voilà la tronche qu'elle a.
Il va nous falloir 3 forêts portables, à mon avis. Pif, paf, pouf. Oh, c'est la première fois que je lance ce palier. Oh, quel bonheur. Jalon atteint. Les turbomoteurs peuvent maintenant être assemblés afin de construire les derniers bâtiments d'usine améliorés par Fixit. Tels que la forêt M. Ah mince. Bon bah on pourra pas poser de forêt M4 aujourd'hui. Oh, c'est cher. Oh, c'est cher. On va aller voir ce qu'il nous faut pour les turbomoteurs. On va aller voir ce qu'il nous faut. On a le... Ah, j'ai le rocher qui passe à travers. Oh shit. Déçu. Ah, j'ai plus de béton. Ça va être dans quoi? Ça va être dans quoi? Les turbos. Dans une façonneuse. Du coup, nous, on veut la recette là. Ah, je vais manquer de moteur. J'ai plus de béton. Ça embête un peu. Combien faut de... Oh, j'ai pas de cadre modulaire. Combien il faut de béton? Je vais laisser le couloir ici. Donc je vais l'écarter comme ça. Combien il faut de béton? Deux moteurs, je veux dire. On veut la recette là. 7 moteurs et demi. Ok, bah va falloir que je booste mes moteurs. Ok. Bon bah écoutez, je m'occupe de tout ça. Le prochain épisode, bah, on lance les turbomoteurs. Et puis on posera peut-être de l'MK3 et puis que peut-être commencer à envisager ce fameux quatrième phase. Ça sera pas mal. Je suis presque à la moteur ici. Du béton au moins. Oh, je vais te le booster ce béton là-bas après. Le raccord. Il se passe qu'il y a ça, d'accord. En train de chercher pourquoi j'avais mis ça comme ça. Le raccord, il est terrible. Après, je sais pas, on verra comment j'arrangerai le tout, hein. Parce que là, du coup, je pourrais venir fermer ici. Vu qu'on est par là plutôt. Le jour où il aura envie, quoi. Façon. Fermer ça comme ça. Au lieu d'avoir fermé ici. Je sais pas. On verra ça quand j'en serai là. Mais c'est que la phase 4, eh ben j'aurais dû pousser les murs. J'espère que je vais pas devoir venir au-dessus des trains pour la phase 4. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout la place que ça va me prendre, mais à mon avis, ça va être
C'est important d'ailleurs, il va falloir que je calcule tout ce qu'il faut en. Il va falloir que je sache s'il faut un lingot de fer, lingot de cuivre, lingot de catérium, béton, poutre, enfin tout ce qu'on va avoir besoin tout simplement. Hein, pour lancer les premières lignes. Et du coup booster tout ça. Et puis voilà. Du coup, les amis, sur ce, moi je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite à tous et à tous une bonne journée, bonne nuit, bonne sieste, bonne. Je sais pas à quel moment vous aurez vu cette vidéo. N'oubliez pas, petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Des zoubis tout le monde. Ciao ciao. Zoubis. Bonne nuit. Ciao ciao.